Pourquoi Dogby je te vois en méga brûle en géant? What? Le sol sur mon What? Écran. What? Ouais mec, j'ai activé un truc. Moi aussi. Ouais non c'est le skill. Attends Mehdi, attends, attends, deux secondes derrière. Ah, je me fais peur. Allez hop. Ah non. Bah si elle a moi la 50. Je suis tellement gentil. Ok, pas de soucis deck. Bienvenue dans ma circuit. On va aller sur la ville de Doag. Je trouve que c'est marrant. Oh le niveau de joueur professionnel. Mais quel homme. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle soirée du lundi soir, épisode 10 pour être très très juste, et bientôt dans un an en fait. Je sais pas c'était quand l'officiel premier lundi soir. Je crois que ça a été le délire de la diff, hein. 10 décembre 2017 qu'elle a été uploadée, donc du coup la soirée. Le jour de mon anniversaire putain. Vraiment? Ouais je te jure je suis le 10 décembre, au cas où t'es pas au courant parce que c'est dans deux semaines et ça tombe à lundi. Voilà. Ah ouais non mais au cas où, que tu saches que mon anniversaire va se passer ici. Ok ok, bah spécialement pour toi ce sera une fois 100 ce lundi là, enfin ouais, tu verras ça. Oh putain, non ça fait un an. C'est vrai oh putain, ouais. Bah, désolé on est nostalgique. Ça va être une spéciale, on a deux invités qui sont physiquement avec nous. Mais avant ça je voulais qu'on discute rapidement parce que t'as eu un week-end différent un peu d'habitude toi aussi. Le tournoi c'est ça. C'est l'actu quoi. En vrai le tournoi était bien, il y a des règles à peaufiner je pense, mais en soi le concept est super bien. J'aimerais bien qu'il y ait ce genre de tournoi mais en continu, un peu comme League of Legends. Ah des ranked quoi. En mode ouais des ranked et tout le temps. Parce qu'en vrai là en deux jours je trouve que tu prends plus de niveau que genre si tu faisais un mois de MM tu vois. On parle effectivement du Winter Royale, hein. C'était ça. Le tournoi ce week-end ouvert à tous, ouais. $1 million plus tard à gagner. Donc là c'est les phases qualificatives. C'est ça. Et toi dans l'ensemble comment ça s'est passé? Parce que du coup j'imagine forcément. Moi dans l'ensemble ça s'est passé bien. J'ai pu voir pas mal d'erreurs que je faisais. Des petits détails des fois ça se joue à rien. Mais c'est ça qui est intéressant, du coup tu vois, tu remets ton niveau en question. Il y en a certains peut-être qui sont un peu plus de mauvaise foi, qui sont en mode bon j'ai pas eu de chance machin. Alors tu vois que... qu'il y a des joueurs des skates par exemple, okay. Il a le record mondial, il a fait 42 points, mm. Il a fait les autres sessions à base de 36 points, 33 points. Ouais, donc tu vois c'est pas de la chance. Vraiment un excellent joueur, il arrivera à perf, surtout quand t'as 6 chances de mais le faire. Mais t'as pas l'impression que là on va retourner le côté un peu technique, mais je pense que ça vous intéresse aussi que forcément ce format là, le côté un peu solo et tout, forcer les gens à avoir un seul style de jeu et tout le monde devait avoir ce style de jeu là, comme tu l'as dit, pas trop agressif, donc les joueurs agressifs étaient peut-être un peu moins avantagés. Non, justement, en fait, etc., les etc. autres, en fait, ils pouvaient faire ce style de jeu, sauf qu'en fait, ils étaient stuck à un niveau en fait. Ah ouais, les mecs sont chauds aussi. Bah, en fait, c'est à dire que, genre, il y avait ce que j'appelais le LOL, okay. C'est qu'en fait, si tu restais trop longtemps stuck à 15 points, tu tombais contre des mecs, c'était des singes, mais par contre, des singes, mais qui mécaniquement sont trop forts, c'est à dire tu pars en build fight contre eux, tu te fais donc détruire. Ils ont aucune logique de jeu, c'est ça. Par contre, et du en coup, duel, les mecs, ils dépasseront pas 20 points, donc ils ont aucune chance de qualifier, mais par contre, en duel, c'est des monstres. Chaque duel, c'est ça, c'est trop chiant. Et ça, ce LOL, fallait le passer très rapidement pour tomber dans des games vraiment super okay. intéressants. Et du coup, par exemple, la dernière session, genre j'ai réussi à faire top 1 derrière top 2 machin. Et le LOL, je leur avais dit bye bye, tu vois. Et c'était des games super intéressantes, trop bien, tellement putain. Stratégiques, c'était trop bien. Et t'avais pas de débiles qui rushaient un peu partout. Et le truc, c'est que j'arrivais pas à ramasser de points après, j'avais pas le niveau pour. Et derrière, je me suis retrouvé dans le fameux dans le LOL. Et là, c'était à base de ça partait des build fight de partout. Tout le monde se pushait. T'as des games à 8 kills, c'est pas pourquoi, ça sert strictement à rien. Enfin, ouais, c'était pas mal de français qu'on... Ouais. Ça, c'est ce que je me suis demandé, parce que du coup, vu que c'est ouvert à tous et qu'on a toujours vanté les mérites, donc ça veut dire que les joueurs console et les joueurs PC et même les joueurs mobiles ouais. étaient dans les mêmes games. C'est ça. Sans faire le mec un peu au-dessus, tu vois. Mais t'as rien à reconnaître quand c'était un joueur console en face, quand c'était un joueur mobile. Bah, moi, je pouvais pas faire la différence, je pense. Surtout quand tu faisais des bonnes games, t'essayais d'éviter au maximum les fights. Je pense que c'est plus les joueurs console qui ont peut-être plus. Dû voir mal. La différence cette fois-ci, okay. pas pour les dénigrer ou quoi que ce soit, non. mais c'est sûr que j'ai reçu énormément de tweets qui disaient mm-hmm. c'est pas fair, dès que t'arrives dans le top 20, tu sens directement les mecs ah qui ouais savent trop build du coup. Donc genre, les ils sont pas habitués à ces lobbies-là. Se plaignaient bah oui, parce du fait... format ouvert à tous. Alors que c'est ce qu'ils ont quasiment toujours réclamé, le laissez-nous jouer contre des joueurs PC, on va vous montrer. Bah en fait, contre les joueurs PC lambda, oui, les joueurs manettes, ils les éclatent, y'a pas de problème. Ça on a jamais mais contre les... En fait, contre les meilleurs joueurs PC, avec une manette, enfin c'est même pas qu'une manette, c'est le fait que t'as pas le 144 Hz, t'as pas les 144 FPS, tu peux pas changer ta résolution, et t'as pas autant de touches que sur un clavier souris, que t'as pas autant de fonctionnalités. Donc en soi que... leurs excuses sont légitimes parce que c'est ce qu'on a toujours dit, on n'a jamais dénigré les joueurs manettes, on n'a jamais dit qu'un joueur manette était entre guillemets, il y avait moins de capacité humaine qu'un autre, qu'un joueur PC. Non, c'est juste sûr, que c'est le matériel, moi j'ai toujours dit c'est le matériel. Il est limité. Ça, comme tu l'as dit, nous on a le 144 Hz, on peut maintenant même modifier comme tu as dit les résolutions, le clavier souris apporte peut-être un peu plus d'aisance, ouais, tu peux et désactiver. Liberté sur des je crois trucs. Sur console tu peux même pas désactiver les ondes, des trucs comme ça, les petits détails okay. qui font que... Mais ouais. J'ai hâte de voir les pourcentages de tant de gens PC sont qualifiés, tant de gens manettes, tant de gens mobiles, voire même s'il y a un mec mobile qui est passé quoi. Le format est super intéressant et c'est vrai qu'on en parlait un peu sur Twitter avec d'autres joueurs pro, etc. Et ce qui était cool, c'est ce qu'on disait, ce format-là, s'il était sur un mois, où du coup tu pouvais grind, etc. Et pas, tu sais, t'étais pas limité par 3 heures ou quoi, ce serait trop bien. Vraiment, ce serait trop bien. Il y aurait vraiment ce thème de ranked et tu progresserais tellement. Voilà. Epic Games, vous avez entendu le message. On a peut-être une image à vous montrer sur bah, les qualifiés français, histoire voilà, de mettre en avant. On l'a dit, si le lundi, on fait pas de choix. Toi, t'aurais très bien pu passer, on le sait. Les gens ont suivi ton live. Non, non, moi j'ai dit, je pouvais pas. Franchement, c'est... enfin, j'aurais eu de la chance en fait. Je passais. Ok. J'aurais été avec de la luck que je passais. Par contre, s'il y a une deuxième édition, en fait, là, c'est comme je disais, en fait, ce genre de tournoi permet de voir en fait la différence de niveau entre un bon joueur et un excellent joueur. Tu vois, c'est des petits détails.
détails de rien du tout. Des fois, ça comme se quoi, joue bah, à rien. Qu'est-ce que t'as remarqué toi sur ton mais c'est ton même pas ça. En fait, c'est des petits détails. En fait, si je te montre l'action même, je te dis le petit détail qui a fait que là, j'ai pas survécu. Mais c'est ces petits détails que, par exemple, un Skyd fait et que moi, je fais pas. Tu vois. Au moins, on sent que les choses avancent dans le bon sens. Et petite dédicace aux francophones qui ont réussi à nous faire totalement honneur. Et ce sera pour une prochaine. Skyd, record mondial 42. Il est passé à un master kill. C'est pas en physique. Non. Chez lui, mais il avait gagné le royal. Il avait gagné le royal. Oui, il avait gagné le royal. Bon, on sait. Skyd, gros level. On l'a dit. Et surtout, intelligence de jeu. Il l'a dit, Gotha, au tout début du talk sur le Winter Royal. Ce qui a aussi fait la différence, c'est pas que la technique, c'est pas tout ça, c'est aussi la prise de décision, l'intelligence de jeu. Et bah, quand t'es déjà prêt, c'est plus facile. Skyd avait l'air d'être déjà prêt. Ça a été. Je pense qu'il est temps de démarrer. On aurait fait un bon talk. J'avoue qu'on n'avait pas prévu autant de temps sur le Winter, mais honnêtement, ça a été l'actu de ce week-end. Et toi, ça a été l'actu de ta semaine. J'ai l'impression que t'as fait quasiment que ça. Hein. Et en ce moment, je joue qu'à ça. Je joue qu'à Fortnite. Ah, mais ça fait peur, ça, pour le Master Kill. Hein. Non, en ce moment, il y a aussi Pokémon. Là, il y a Pokémon sur Switch. Ok, ça va. Bon, les gens, ils m'ont tous vu aujourd'hui. J'ai fait que ça, quoi. Canapé. Nos invités qui ont pris position sur leur PC respectif parce que elles sont là depuis un moment, elles se sont même un petit peu entraînées. Yuna est avec nous et de l'autre côté, on a Meili qui elle aussi a fait le déplacement, surtout que elle habite un peu elle plus loin. Elle vient de Bordeaux. Ouais, ça m'a choqué quand elle m'a dit ça, putain. Oui. C'est vrai. Oh là 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 là. Comment s'est passé ton voyage, Meili? Bah, ça a été. J'ai pris le train tranquillement ce matin. T'as profité de la piscine ou pas encore? Non, pas encore. Quoi? Non, mais je crois qu'elle discutait avec Mélina de ça. Pour dossier un maillot de bain. Mais non, mais je sais pas, je crois qu'elle discutait de ça, puis après c'est reparti dans Vienne, on va s'entraîner en playground. Coaché la petite sœur, ok, non mais c'est propre. Et toi Yuna, bon tu viens de moins loin mais ta présence nous fait tout autant plaisir. Comment tu vas? Bah ça va très bien, merci. Un peu stressé? Non, pas du tout. Non, ça va. Moins que... petit bide, mais ça va. Moins que le Gotaga Show. Ouais, quand même. Parce que c'est vrai qu'on t'a pas revu sur cette TV depuis le Gotaga Show. Ouais, mais là on est entre nous, c'est tranquille. Elle, elle en plus toute l'après-midi elle était avec le chien. Oui, c'est vrai. Elle faisait des papouilles, elle était. Ça me manque d'ailleurs. Elle était trop choupie. Oh bah ça va, ça va nous quitter pour aller là-haut. Mais bon, on est venu ici pour du Master Kill, vous avez compris. On est sur une spéciale fille ce soir, alors on va commencer par ce Master Kill. Alors Meili, comment te présenter? T'es un petit peu la représentante féminine du niveau professionnel Fortnite, non? J'aime pas dire ça. C'est un titre difficile à porter. Ouais, c'est difficile, surtout qu'il y a beaucoup de femmes qu'on ne voit pas et qui sont très fortes aussi. Peut-être qu'on les verra ce soir. Sûrement. Mais après, t'es quand même l'égérie, t'es quand même. Ah, parce que j'ai la chance. Oui. Bah, j'ai la chance, si tu veux, d'être dans une équipe et d'y être depuis longtemps. La chance, tu l'as provoqué. Oui, ça reste de la chance quand même. Bah non, parce que t'étais forte et du coup, t'as fait. Non, je jouais à peine depuis un mois. Donc vraiment, ça s'est joué sur un coup de chance et après, j'ai pu montrer. Quand elle a gagné la GA, je pense qu'elle a gagné la GA, tu vois. Genre aujourd'hui, qui peut dire j'ai gagné une Fortnite? Il y en a pas beaucoup. Toi, tu peux le dire, toi? Non. J'ai gagné un Royal Rumble. Hey, bon Royal Rumble, Gotha. Non, moi je mise tout sur les 2v2, moi. Tu vois, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'elle a gagné la Gamer Assembly, donc c'était l'une des premières LAN Fortnite. Alors, on rappelle les LAN. C'était la deuxième juste après Lyon Esport. En tout cas, c'est vrai qu'elle est titrée. Toi, Yuna, c'est. Non, pas de titre. J'ai gagné le Royal Rumble spécial fille. Boum voilà. Directement. On va partir pour un Master Kill, mais est-ce que tout le monde se souvient bien des règles ici? Yuna, je suis sentie hésitante. Ouais, non, mais moi je joue. Je oui. On va te mettre un petit rappel quand même, parce que j'ai l'impression que c'est pas vraiment on joue, au point. On verra quoi. On verra en gagnant. Rappel des règles et on est parti. Let's go. Pour gagner dans Master Kill, il suffit d'avoir plus de points que les autres joueurs. Pour marquer des points, c'est simple. Chaque kill et chaque réanimation rapporte un point, en sachant qu'un multiplicateur peut être ajouté en début de la game. Celle-ci est validée à partir du moment où la squad cumule un minimum de 5 kills. Le but, gagner la partie ou ne pas finir dernier. Le perdant est le joueur avec le moins de points à la fin de la partie. Que se passe-t-il quand quelqu'un perd? Les points des 3 autres participants se cumulent et se transforment en euros, que le perdant devra payer à un viewer tiré au hasard. Par contre, s'il y a top 1, personne ne paye et les viewers ne gagnent rien. Pour tenter d'être tiré au sort, il vous faudra voter dans un temps imparti en début de game et bien miser sur la personne que vous voyez perdre. Le Master Kill peut également être joué en duo. Les règles restent les mêmes. Le duo gagnant sera celui qui a le plus de kills à la fin de la partie. Bref, travail d'équipe, ou Kuba, amitié, ou fourberie, chacun sa méthode. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a qui vont passer à la caisse ce soir. Sur ce, bon Master Kill à tous. C'est bon, c'est mieux, Yuna? Oui. Voilà, on va directement l'impression. T'as qui en code créateur, Gotha, juste pour savoir? J'ai Miley TV. Non, menteur. T'as vraiment? Non, je suis très égocentrique, j'ai mis Gotha directement. Toi, t'as Dwight? Alors moi je peux pas le dire à l'oral. J'ai pas le droit de dire son nom à l'oral. C'est parce qu'elle a gagné un pari, je crois que Meili aussi. Ouais, je l'ai aussi. On doit le supporter encore quelques semaines, c'est ça? On a eu un petit pari, mais d'ailleurs le refaire serait pas mal. Ouais, le grave. Petit pari comme ça, c'est pas mal. Chaud parce que ça m'a saoulé. Moi aussi. Vas-y, si vous voulez, on fait ça la première game. Celui qui fait le plus de kills, tout le monde doit mettre son nom. Vas-y. Allez, moi je suis chaud parce que moi ça me fait enlever. Elle est joueuse. Mais non, mais elle est pas joueuse. Elle aussi, au moins ça me permet de virer Yuna au cas où. Nous on peut que être gagnant. Génial. Là c'est vous deux en fait qui êtes en galère. Mais très bon call.
ça, Gotham. Ah non, mais moi j'ai. Bravo. Hein. On rentre dans la première game. On va où? Choisis Yuna. Je vous suis. Bah, Lucky Lending. Oui, allez, allez, Lucky. On fait plaisir à Gotham. On est parti sur une fois 1 pour démarrer. Je propose un truc spécifique pour ce soir, c'est que à chaque game, on est obligé de changer de format. Donc là, on est chacun pour soi. C'est-à-dire que la game suivante, on devra trouver un autre format. Et il va falloir qu'on essaye de trouver toujours des formats équilibrés. Par contre, on a pris le spawn. Ouais, le plus safe. On en scrim, les gars. Ah bah, moi, écoute, moi je suis chez moi, moi, y a pas de problème. Polo, il se fait embrouiller sur le chat parce qu'il a pas mis l'overlay Master Key. Non, mais le chat, depuis c'est qu'il y a l'émote. C'est assistant réalisateur quoi. Non, mais depuis qu'il y a l'émote de Polo, t'inquiète pas, il s'en sert pas mal. Hein. C'est assistant réel le chat, vraiment, c'est incroyable. Genre, il oublie un truc, il se fait spammer quoi. On va voir, mais je pense que ça peut être l'émote la plus utilisée en ce moment sur la chaîne. Mais bon, vous inquiétez pas, il est sur le coup. C'est marrant parce que bah, c'était des petites fonctionnalités que Gotha avait pensé pour améliorer entre la saison 1 et la saison 2. Et même moi, j'étais en mode, bon, tu sais, les gens ils s'en foutent un peu. Et finalement, non, hein, t'avais raison, hein. Ils veulent l'overlay quoi. Les gens, quand ils s'habituent à quelque chose, ils ont leur petit confort, faut pas leur enlever. Hein. Désolé les gars, Polo fait, ah, c'est bon, oh putain. C'est bon, tout le monde est content. Pour l'instant, 0 kill. Hein, 2 kills Gotha. Si, non, mais la fight. Ok, j'arrive. Ils sont partis, Dwag, hein, mais il y est Gotha. Pourquoi Ah, bah excusez-moi. On est en retard, nous, excusez-nous. Bon, ça date un petit peu, mais vous en pensez quoi de la dynamite alors? En scrim, c'est pas mal. Là. Sur la winter, non, ça a pas été tant que ça. Ah, si, si, ceux qui l'avaient, moi, ils m'ont bien cassé les couilles. Ah, quand même, ok. Parce que c'est à base. En fait, ils en balancent une première, ils chargent la deuxième. Parce que tu sais, quand tu la gardes dans la main, en fait, c'est comme une grenade, tu vois. Ça, c'est du coup, ça, c'est trop bien ça. Et en fait, du coup, le mec, s'il l'a timé bien, il balançait la première. Instant. Et dès qu'elle pétait, en fait, celle qu'il était en train de charger, elle pétait instant aussi. Oh, c'est fort. Donc, du coup, ça faisait méga mal, t'avais même pas le temps de réagir. Tu rends à Salty? Vous faites tirer dessus sur moi. Ah, c'est dingue. Mais non, c'est sur moi. Il tirait dessus, mais là, il contacte à moi. Non, s'il vous plaît. Ah, y'a des mecs en pierre, ouais. Je sais pas où aller. Oh! Yuna, c'est bon. Je suis enfermé avec des gens. Oh bah, moi aussi. Il est blanc, Dog. Ok, mais il est pas seul. Oh là là, Yuna qui gagne son 1v1. Ok, j'ai mis deux mecs low. Deux mecs low, mais ils sont plus que deux. Oh, pardon, excusez-moi, je peux pas. Un down. Je suis en galère de ouf, les Rey. C'est. Je suis down. Il est contact, il est très très low. Il est très content là. Nice. Eh, je suis vivant quoi. Enfin, je suis mort. Oh non, il y a un autre mec au grappin derrière. Ah non, je crois qu'il y a deux teams en fait. Ouais, focus, ils sont très nombreux. Tant doigt que je te rire, ça me fait un peu. Si je le fais tomber. Et c'est des bandages, ça fait un point. Ok, ouais, d'accord. Je t'en donne un peu, t'inquiète. Et donner ton pompe bleue, ça te fait un point. Ah ouais, non, là c'est bon, non. T'inquiète. Ça va 2 minutes. Hein. Des bandages. Bien. On dit quand c'est fini. Hein, il y en a genre... dans le foin. C'est chiant ce qu'il joue au snipe. Il est où? Il y en a un qui s'est pris 90. Il y a la zone. Ah, c'est chiant ça. Un knock à droite. C'est la guerre mondiale là. Ah, mais c'est... Je m'avance. Ça s'arrête jamais. Milieu, au niveau du tracteur. Touché au snipe, il est à 305. Done. Là, ici sur moi. Mort. C'est terminé. Bon, ils sont tous morts, ouais, je crois, non? Tous morts. Bon, les scores, on est tous à 2 sauf Gotha à 5. Au moins, c'est fait. Je suis toute seule là. Il y a des gens. T'inquiète pas, je suis là. T'es bien entouré. Bah non, justement. Ah, c'est bah, pas comment ouais. Y a des... Voilà, là, c'est mieux. Comment ça, là, c'est mieux? Parce qu'il y a plus que moi, quoi. À part GA. Ah, bah, c'est déjà beaucoup, tu vois. J'arrive, Edna. Mais je sais pas où ils sont partis en fait. Mais moi, j'en vois 15-30 là. Bon, en fait, c'est moi qui vais venir parce que. Ouais, 15, mais t'as du monde dans Retail? Bah, y'avait, mais je sais pas où ils sont partis en fait. Je crois qu'ils. Ok, bah, je vais sur les mecs. Je vais sur les mecs 15-30. Bon, bah, Doug, on retourne en arrière. Moi, je suis Maggie, je te parle plus. Ah, bah, super. Voilà, il est 20h45. Bonne ambiance, hein. Je vais passer derrière. En tout cas, ils sont sympas les nouveaux skins qu'on vient d'acheter. Je sais pas ce que vous en pensez. Mignon. Un knock. Ok, efficace. Vas-y, je t'ouvre le terrain. Putain, pas d'HP. Oh non. Un down. Non. Il y en avait un tout en haut. Oh non, Miley. Oh non, mince alors. C'est pas fini, hein, Yuna. Ouais, bah il y en a un sur toi, mais je peux pas trop t'aider. Je vais essayer de... Je m'occupe de toi, Miley. Bouge pas. Ah, tu t'occupes de Miley, là? Oui. D'accord. Ah, moi, je prends les points. Hein. Y a pas de problème. Mais juste un mur, Ouais. Non, pas besoin. Ouais. Peut-être. C'est pas grave. Je reste caché dans mes courses. Peut-être tu... Ça va?
Ouais, je me bats contre une équipe forte. Mince, ça veut dire qu'il va pas venir. Nice. Ça veut dire qu'il va falloir se sortir de temps. Je vous envoie de la dynamite, hein. C'est de mon côté, la Dina. Ne paniquez pas. Ouais. C'est réalisé. T'es par sûr, un... Il y a un mec mégalo sur moi. Il y a un mec à terre sur moi. Putain, il avait deux pièges. C'est pas loin la dynamite. C'est pas le réflexe de prendre la dégâts. Sur moi, sur moi, sur moi. T'es où? Devant toi, là où il y a le. Merde. J'ai pas de vie. Ok. Je construis n'importe comment, mais je survis. C'est beau ce que tu fais. Ouais, pas trop, non. Ah, il y a un piège, attention. C'est moi, c'est moi. Ah, bien joué. Ouais, mais il y a d'autres mecs. Le mec arrive en pad là, non? Non mais ça s'arrêtera jamais. Il y a des mecs en pad, ouais. Done. Non. Il est très très loin en haut. En haut, où? Je suis perdu. Tout, tout, tout en haut. Ah non mais Mailly au sol. Non mais c'est quoi cette game? C'est trop dur. Yona, t'es juste à côté. Oui, oui, j'arrive. Nice. Oh, tu peux faire un place. Dis-moi, ça? Merci. Ouais, t'as exactement. Désolé, je... Hop là, t'arrives sur un loot. Ok. Un mec tout en haut, ouais. Ah ouais. Ah, je voulais juste le... prendre l'info. Ah ouais. Il y a un mec aussi, 185. Oh là là, Dwag, à 2 HP du code créateur Gotaga. Oh dommage, c'était pas mal. Non mais, qui est en train de mettre des pièges? Ça, c'est pas du tout. Ah, il reste Yuna aussi. C'est une question de dynamite. Hey, let's go Yuna. Yuna, Yuna, kill hein. Attends, attends, mais Yuna là, attends, elle a combien? Attends, attends. Elle a 4. Dont 1 à terre, elle peut faire 5. Non mais elle a fait full réa aussi hein, Yuna. Ouais ouais, j'ai réa 3 fois hein. Ça, t'as oublié ça mon cher. Non Kota. On là, peut me réa. Non, mais on peut aller sérieux. Jamais je te réa, j'ai 2 HP, je suis en galère. Non mais attends, parce que là, Yuna, si elle a 3 réa, c'est elle qui a gagné. Hein. Bah oui. Bah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Toi. Non, vous avez fait exprès ou ça se passe comment? Toi, tu te mais prends non, pour j'ai tes potes. Deux fois. Ouais, deux fois Amélie et une fois Dwag. Allez, un done. Incroyable. Mais quoi? Mais pourquoi ça touche pas? J'en ai marre de ce jeu. C'est pas le jeu le problème là actuellement. C'est quoi alors du c'est coup? C'est toi. Je, vois je crois que c'est toi. Bon, je me calme. T'es là 1v3 en vrai, Dwag. Ah. Ah, c'est pas mon snipe! Je croyais que j'avais mon snipe dans les mains, désolé, c'était pas ma bonne touche. Oh, putain. C'est bon. Non, mais c'est tout est sous. Oh oui, 105! Mais j'ai 2 HP, il le sait pas. Ah, oh, putain, la fiste. Il va bientôt le savoir. Hein. Il va bientôt le savoir. Il sait pas que là, juste une balle de chat. Non. En fait, son pote a du réel à l'autre. Si tu le tues, Dwag. En fait, c'est pas lui qui me fait peur. Mais oui non. Oh, what? Mais non, il, est, il a 0 action, mec. Ah. Mais vous êtes pas prêts pour ce que je vais faire? Le clutch. Bah attends, le problème, c'est que... Ouais, mais vas-y, le problème, c'est que n'importe quelle balle qui me touche. J'avais pas vu que c'était les derniers. Aïe, 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 aïe. Bien joué. On va rester sur Yuna. Et tirage au sort des 22€ de Mailly. Le gagnant est... C'est toi, FunSmile, bravo. Et donc, on va tous mettre le code créateur pendant une semaine jusqu'à lundi c'est prochain. C'est quoi, c'est Yuna tout quoi? Ouais, bah comme mon pseudo ah, Fortnite. Le... Là, c'est le moment profite. Y. Ok, il y a deux O. O-N. Ah. Répète-le au cas où on l'a mal entendu. Une semaine, putain, ça va être trop lourd de pas acheter de skin pendant une semaine. Quoi? Le mec, c'est le mec le plus soutenu en France. Le vrai visage de Gotha. Bah super. On va passer sur une fois deux. On a dit qu'on changeait de format à chaque game. C'est la spécialité de ce master kill là. Donc là, on a fait chacun pour soi. On n'a plus le droit de refaire chacun pour soi. Est-ce qu'on ferait pas Mailly et moi? Vas-y si tu veux. Quoi? En vrai, j'avais dit les filles contre les garçons. Attends, j'avais le plus de kills, elle en avait le moins. J'allais dire les filles contre les garçons justement. Mais oui, je suis la plus faible jusqu'ici. Bah là, ouais. C'est la plus faible, on est à se mettre ensemble. Hein. Comment ça, c'est la plus faible, mec? Bah, on fait tous les coups. Fait... ah, allez, ça. De toute façon, au moins, vaut mieux, vaut mieux faire ça à Yuna qu'on est en x2. Ouais, qui bon, nous lâche chaque en x5. C'est vraiment, vraiment, vous acceptez? Moi, j'accepte. Par contre, non, bah oui. Est-ce qu'on a oh, pas non, un petit avantage? Il n'y aura pas de karma. Vas-y, vos kills sont x2. Vraiment, vraiment. Attends, du coup, toi, qu'on est ensemble et nos kills x2? Ouais. Oh, bah c'est bon alors. Calme-toi, par contre, calme-toi. Le karma. Après, t'inquiète. Je cautionne pas, je cautionne pas, je suis pas d'accord. Non, 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 il est parti, il est là-bas le karma. Regarde, il a plus de kill tête à cause de toi. C'est moi, j'ai ping. Vas-y, go kill tête. Dans l'escalier, il a pas d'armes. Mais attends, il y a plein de gens partout, il y a des pièges. Je te suis, moi j'ai pas. C'est moi qui ai mis un piège. Mais non! C'est toi mon bro. Il a. Il a un pompe. Non! Non. Gotha au sol! Yuna, let's go! Attends, attends, attends! Je vais pas là-bas, je vais pas là-bas. Ah merde. Mais contactez-moi, contactez-moi, il est descendu, il est descendu! Mali, sinon on fait juste pas de kill. Dans l'escalier! Parce qu'il faut que ça soit 6 kills. Attends, pour viens, que ça viens, viens. À toi! Vas-y. Ils sont deux! Attends de voir ce qu'ils font. Un done, il reste un down aussi! Un down aussi! On confirme! Let's go! Yuna, non, mais la comme ça qu'ils sont chauds. Tryhard, va te mettre bien, Mailly. Contact, attends, contact, attends, duel, attends. Duel, duel, duel. Mais ils sont où? Il arrive, il arrive, il arrive. Je me casse, hein. Oh, mais toi, je me laisse pas toute seule. Oh, mais oh, c'est le streamhacker.
T'es c'est bon ou pas là? Mais non. Oui. Attends, combien? Il m'a fini. Non. Non, y a pas de kill là. Doc, c'est bon, attends. C'est bon, okay. 3. On a jamais dit qu'on devait rester à Tilted. Hein. Je non. Ah, mais Doc, c'est une game de merde, autant que tu tentes. Ouais, je vais tenter, t'inquiète. En vrai, si on fait pas 6 kills, ça compte pas. 1, 2, 3. Donc, tu fasses 3 kills. Oui. Va tenter, hein. Ouais, je vais tenter, t'inquiète. Mais là, tu vas rien tenter du tout. Putain, tu nous fais perdre du temps. Mais comment ça? Allez, Doc. Non, mais il dit ça parce qu'il est mort. Je le connais. C'est ton moment. Mais putain, ça a été lourd ici. Ça m'a énervé. Ok, j'y vais. Regarde, c'est deux équipes qui arrivent. Oh là. Oh putain. Oh, j'ai cru que t'allais surfer dessus, gros. Ouais, moi aussi. Pas de piège. Par contre, c'est pas de ce côté-là qu'il faut aller pour. Regarde, tu connais cette strat? 3, 2, 1. Oh, ouais. S'il ouvre la porte et qu'il met un coup de bazooka, je rigole. Vas-y, tu crois que c'est un bonhomme ce mec? Moi, je connais ces gars-là, je les connais ces gars-là. Il sait pas. Il sait? Non, il prend son coffre. Regardez bien la strat. Regarde, écoute bien ce bruit de shield qui est en train de se mettre là. Ah non. Putain! Ah, non si laisse du shield! Laisse du shield pour les frérots! Non, qui est dessus qui arrive? Sur ta gauche, Mais non. C'est ton moment. Tu dois mettre des têtes. Les deux ont mis des moins 8 quoi. Oh, j'ai mis une tête. Oh non, mince alors, du coup, on a pas l'équipe. Ah, c'est con. Qu'on le refasse quoi, du coup. Mince alors. Bon, bah c'était cool comme format quand même. Bon, on va changer maintenant. Ah non, mais en vrai, vous étiez bien là. T'es mort instant aussi. Le spawn parking, hein. Parking, c'est bien sûr. Parking, c'est bien. Je peux pas parler avec leur chum. Tu mouettes. Ouais, pareil que vous, ouais. Ouais, y'a un arbre, je vais à côté. Hein. Ouais, ok. J'ai des ballons, hein, super. Ouais. Un très très low. Knock. Oui. Tiens, j'ai une burst, t'as besoin? Ouais, je prends. Tiens. Attends, mais il est, attends, 2 secondes derrière. Ah, je me fais peur. Allez hop. Ah non. Bah si, elle a moi la 50. Je suis tellement gentil, Ok, pas de soucis. Bienvenue dans ma circuit. Elle a vraiment regardé derrière en plus. Non, j'avoue que je m'en vais un peu. Mais c'est vraiment une team player, genre, tu te rends pas compte. Hein. Non, t'as raison. Nos invités, quoi. Bah arrête. Elle vient de Bordeaux, la pauvre, et toi tu fais ça. Arrête. T'as rien à voir. Elle est venue en connaissance de cause. S. Ouais, ça tire. Du coup, à 20, il est shieldé. D'accord, Gota qui s'en va. Ouais, j'arrive. Oh, Gota. Oh, ça bulle fight. Oh, j'aimerais pas être à ta place, Gotaya. Je suis en dessous. Et il veut pas descendre. Le caisse de Dwag. C'est ça. Mais c'est non. Pour ça que vous venez tous les lundis soirs. Quand Gota fait tout le travail et que je viens juste mettre une petite balle dans le pied. J'ai pas pris la grosse. Vous avez 10 secondes pour attendre la faille, si vous voulez. Oh là là, y'a une autre. Non, bah c'est mort, c'est. Ah, oh, ça se fait pas, c'est vraiment gamin, on est ouais. Juste devant la voix. Oh, mais Lee, oui! Je suis deg. Yeah, oh non, j'avais pas ma grosse spot! Go to tête, charge. Yeah. J'avais pas ma grosse spot, ça a pas marché. Sous nos yeux, on l'a vu atterrir juste devant on la voix. On peut plus faire ça, je crois. Allez, vas-y. On... Allez, pour la peine. Ah, devant! Ouais, ouais. Y'a un mec à tirer en. Oh, il se loupe en boucle, aussi. J'ai pas entendu. Oh, vas-y, on les bombarde. Si, j'ai pas entendu. C'est un coup de barrette, hein. Fais gaffe en haut, la hauteur. Je l'ai touché une fois. Je vois pas. Ah oui, y'a un mec en haut, hein, fais gaffe. Ouais. Tu t'es dans tel là où je suis. T'en as un? Oh, ça va être chaud. Ah, là-haut, il bouge pas trop. Ouais. Si t'as un snipe. Ouais, mais ils sont deux. Ouais. Hein. Je suis taco, ça y est. À droite, derrière nous, en vrai. S, il est contact à moi. Contact. Attends, j'arrive. Là où j'ai mis l'escalier. Un op. Dan. Ok, les mecs d'en haut sont chiants. Et... Je le casse, t'inquiète. En vrai, j'ai full slurp, on peut tenir un. Non, sur moi. Oh, y'a un mec là-bas, là, je. J'ai une AK, putain, ça y est, je suis inarrêtable. Good? Vas-y, ok. Yep. T'es sûr qu'il a. Oh, le mec en haut, il bouge pas, hein. 59, le mec en haut, là. Mais. Oh, y'a un mec sur moi! Oh, j'arrive. J'ai un. Oui, je le vois, il est contact. Prends ça. Quadrilanceur, ça te dit? Y'a un bazooka aussi, si jamais tu veux. Non, j'ai un barrette. C'est bien. Le mec est AFK et il vient de se retourner vers nous, bizarrement. Ils sont deux, hein. Ils sont trois. On prend full la hauteur, hein. Ouais, t'inquiète. Y'en a un qui est knock, faut y aller. Oh, la zone. T'as le feu de camp, non? Non, j'ai rien. Nice! Monstrueuse! Je vais mon ah, mais là, c'est une équipe. J'ai rien, j'aurais dû prendre des bandages. Moi, je vais retomber, je pense. Hein. Mais j'ai plus de soins là. Ouais, pareil. Je peux pas le mettre, je tombe. Je sais pas si je te reste en fait. Y'a le grappin aussi? C'est super serré. Hein, ils sont directement à la sortie. C'est good. Et je pense, au vu des scores, on peut tout de suite annuler le fait que nos kills comptent double. Hein. On reste sur une classique. Parce que là, ça va se jouer à 1 kill. Donc, on oublie tout ça. Actuellement, la team de Gota est à 5. On est à 6 avec Yuna. Tout est encore possible pour tout le monde. C'est de prendre des infos. Non, je crois que si je te suis personne. Hein. On s'est fait tirer dessus, on est d'accord. Si. Au niveau du bus. Ah oui. Go, tirer. Je mets des coups de pression avec les roquettes. 22, il est blanc, viens. C'est quoi? Il est là. On va passer par 4 chemins, mon pote. Je l'ai touché encore. Hein. Ah, il est beau. Il est sale. Mort. Il y avait pas mal de loot en bas, normalement. Des t'as un grappin? J'ai un caillou. Moi, j'en ai plus, là, le grappin. Ok, tiens. Non, oh, bien joué. J'ai un.
tu comprennes le. Pourquoi Dogbiche te voit en méga gros là en géant? Comment ça? Vas-y, j'ai un titan colossal sur mon écran. What? Ouais, mec, faut que je te. J'ai activé un truc. Non, mais tu te vois comme ça? Ah, je les vois, je vois 15. Non, moi je suis normal. Putain, c'est incroyable. Ouais, non, c'est le skill. Touché une fois 21, ils sont shieldés. Ah oui, ok. Bah ouais, je suis con. Ah, vas-y, mais Gota, tu triches aussi. Bah ouais. Ça va. Ça va, tu maîtrises ta proc ça. C'est les derniers. Il y a deux teams de deux, je crois. Ouais. Ou alors ils sont séparés. Ou alors ils sont séparés. Ouais. Va falloir faire les bons choix. J'ai touché un. Kotaka qu'on a donné un, il nous en faut au moins deux. Il y en a dans les deux. Ouais, ouais. Attends, on va essayer. Ah, mais c'est pas. C'est pas les mêmes en fait. Non, ils sont pas ensemble. Hein. Ah, il est là, il est là. Derrière. Non, 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 ça par contre, non. Ah, sorry, c'est le jeu. Non, mais là. Vas-y, Gota, vas-y. Ouais, Gota, ouais. Non, mais on m'a fait un KS là, c'est. On a fait combien du coup? 11. En plus, Doug il a dit que ça comptait plus donc, double. Le kill compte double, on a 12. Regarde-le! Est-ce qu'on peut. Est-ce que sur YouTube on peut avoir un replay? Je pense au vu des scores, on peut tout de suite annuler le fait que nos kills comptent double. Hein. J'ai jamais dit ça, nos kills comptent double, on a 12, vous êtes à 11. Ça a toujours compté double. Bah ouais. Non. Quoi? Non, mais du coup, on a joué chill, on vous a rejoint. On les a rejoints, sinon on arrêtait de jouer. Le pire, c'est que Doug, quand c'était la crise, vous aviez un kill d'avance et nous on était dans le gaz, c'était franchement, on a ranimé. Là, tu me ranimes une deuxième fois, tout ça. Et là, t'as fait, oh non, mais ça va jouer un kill, vas-y, ça compte plus double. Et à la fin, on a tué tout le monde. Si nos kills comptaient double, on avait 12, vous avez 11. Et à la base, c'était ça. On peut pas. Enfin, on a jamais changé les règles de Master Kill en pleine game. C'est du jamais vu. Ouais. Genre, c'est toi qui la colle, c'est pas nous. Hein. Je fais 50 vannes par game. Pourquoi? Simple, mais sérieux. Non, j'avoue, qu'est-ce qu'on fait? J'avoue que là, j'accepterai que ça doit. Mais en vrai, de toute façon, c'est top 1. Donc. Bah oui. Mon cerveau. Du coup, on reste sur ça. Et qui compte double? Parce qu'en vrai, si ça compte double, vous étiez à 12 et 11. On doit changer le format à chaque game. Mais c'était pas mal. Ouais, mais le format qui change à chaque game perdante, non? Non, là, t'abuses. Ok, ok. Je t'ai supporté Yuna de game. Vas-y, vas-y, moi je me mets avec Yuna si tu veux. Et moi avec Maily, donc pas de règles particulières supplémentaires. Toi t'es kill si tu veux contre nous. Le mec a pitié, genre. Non, vas-y, pas de règles particulières. Ok, pas de règles particulières, ça me paraît legit. Ouais, Yuna, on com, tout ça. Oula, mais moi je. Allez, bonne chance Yuna, tu vas voir, tu vas t'amuser. Oui, c'est super. Ok, il y a une squad. Attends, je vais. Je rentre dans la maison. Allez, il y en a un au top qui arrive. Non, en bas. Moi je sais pas. Non, oh. Putain, il m'a knock, il est au lance-roquette, putain. Oh, c'est qui la grenade? C'est. Oh. Ah, super. Ils sont méga vénères, là, les types. Tu peux dire, il m'a cité venu avec moi. Non, mais écoute. Elle m'a regardé en mode, je le pense, mais je ne le dirai pas. Et je m'attendais pas à ce qu'on prenne une grenade là. Non, mais là, c'était trop dangereux là, je sais pas ce qui s'est passé. Trop de gens. Tiens. Ouais. Mais c'est pas la même équipe hein, là, ça c'est en train de se battre, ça c'est des gens en train de se battre. Respecte-moi là. C'est n'importe quoi. Heureusement le stream a pas vu. Hein. Respecte-moi, il m'a lâché un peu. Non mais regarde là, ils sont trop chauds, regarde. En mode c'était 200. Mais Polo, t'es sur ma POV là non? Ouais. Ah c'est. Ah, ok. Non, ça compte pas hein. Bravo. Ah bah ça compte pas si on fait pas les 6 kills. Vous êtes encore là. Prends ton temps, Doag, mets-toi bien, 3000 de construit. Et en plus, Gotak a validé 2 kills. Oh, ils sont regrettables là, ces deux petits kills. On va voir si Miley est forte en solo VS1, hein. Ah, c'est possible. Non, j'avoue, j'abuse. On va voir si Miley est forte en 1v5. En plus, on en fois 3. Ah, faut préciser avant ça. J'avoue. Ah ouais, non, bah oui, là, c'est... Non, ça compte pas. Enfin, ça dépend, si vous faites pas 2 kills, on en fois 3. Doig, à ta droite. Ouais, à ta droite. Non. Écoute-moi, t'inquiète, y'en a un contact. On tire pas. Il est distrait. Oh, je l'ai vu. On tire pas. Tire, Doig. Tire, il bouge pas. Je l'ai pas touché une fois. Putain, t'as touché une fois sur un chargeur. Incroyable. C'est Suis-moi. Okay, okay. Vas-y, arrête de t'écouter, toi, Gota, tu me distrais. Non, en vrai, là, gros, t'avais juste à faire tu tapes là, t'as abusé. Ouais, je sais, mais ça va. T'as pas tiré. Putain, t'es vraiment. En fait, tu fais l'appât, en vrai, t'es utile, tu fais l'appât. Oh, il a pas. Mais là, dedans. Non, à l'intérieur, fais gaffe, il y a sûrement des pièges. Rentre dedans, regarde pas, je t'en fous. Va faire y a un mec aussi dehors. Montre que t'es utile, Doig. Rentre dedans, je t'en fous. Je suis utile. T'as pas besoin d'elle. Doig. Prends ton duel. Ouais, je suis utile. Ouais. Doig, fais gaffe, y'a un mec au snipe. Deux mecs, Doig. Vas-y, Doig. Voilà, t'es le meilleur, Doig. Merci. Viens avec moi. Non, mais il me fait trop de compliments, il a jamais fait ça de sa vie. Non, voilà, vous jouez bien. Doig, la construction, elle tient à rien. Très très long. Doig, les deux escaliers à ta gauche là. Ils sont deux, hein. Oh. Elle sait quoi la tête, Doig, je suis pas votre taille. Qu'est-ce qu'il y a? On va pas rester trop longtemps là-dessus quand même. Père utile ça du coup. Il a le pompe chiant.
Bah, il a plus rien. Nice. Bah, allez, maintenant vous nous gagnez ça, les gars. Changement d'ambiance. Vous êtes les meilleurs. Merci pour tout ce soutien depuis le début de la game. Tu veux pas proposer ta scar en or à Miley? Elle te donne un épique. Si, ça, j'avoue que je suis no care de ouf. Hein. Voilà, hop, un bon trade de fait, ça c'est bien. Merci. T'as d'autres conseils de genre? Tu veux pas stack les petites potes, Miley, et lui stack les bandages? Franchement, ça m'est égal. Ah! Ah bah là, ok, ouais, petite pote. Petite pote. Ça c'est le karma ça. Vas-y, t'inquiète, je tiens. Tiens, il a drop. Vas-y, tiens, fais pas pression. T'as pendant qu'il soigne, ouais, voilà. Prends les escalier là, tu tires. Pour pas qu'il rush pendant que. Ah ça. Ok. Ils sont où là? J'ai pas trop capté sur ma droite. Il y en a un qui est monté, je crois, top bâtiment carré, fais gaffe, Maïl. Il est où? Il est montagne. Mais tu l'as vu, Doig, il était. Mais Doig, il voit rien. Non, mais c'est grave. Là, vous avez vu là? Mais il est en plein milieu. Pour lui, il a drop les popos, son fight est fini. Son job est. Ah, c'est bon, je l'ai vu. Pète les construits, toi. Eh, j'ai mieux, putain, arrêtez de me sous-estimer. Il est où? Mais il est où? Ah 40. Tu veux quoi, toi? Laisse Maïl tranquille. Mais c'est toi? Oh, je comprends rien. Une balle. J'ai plus de... Nice. Là. Hein? Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Mais vous êtes des méchants, vous. Spam. Miley va les tuer. J'ai plus de construit, j'ai plus rien. Oh merde. J'ai plus rien. Tu l'as dit, c'est du 1v5. Je sais pas. J'ai... Dans tous les cas, ça se passe bien pour nous. Pour nous tout le monde ou. Pour nous tout le monde, effectivement. Ouais. En tout cas, on a fait 7 x 2 parce qu'on savait qu'on avait pas call la x 3. Ça 14 euros. Et du coup, là, on est parti sur en x 3. Je paye, y'a pas de problème. Tu prends? Ouais. Donc, on n'a pas le droit de refaire les mêmes formats. Donc, là, on a quasiment fait tout ce qui était possible en termes de binôme à part fille contre garçon. Ouais. On peut se faire fille contre garçon là. Donc, pas de bonus. En fait, fille contre garçon. En fait, et histoire de soulager un peu, ouais. Parce que je te sens stressé. Si on perd. Quand vous avez gagné une MM. Ah. Non, personne n'a entendu, je viens de retirer ce que je viens de dire. Il y a plein de gens dans le bâtiment. T'inquiète. Bien sûr que je l'ai. Donc, j'ai que dalle moi. Putain, j'ai une potion. Il me fait tourner en bourrique. Allez, le karma, c'est bon. Tu le. Non, done. Yes. Il est knock. Super ça. Finis-le. Fini. Voilà. Il y a un mec là, fais gaffe. Ok. On va. T'en as vu ou t'en as vu quelque chose? Il était. Il y a un photo sur moi. Attends, il y a des mecs là. Ok, attends-moi, il y en a, faut vraiment qu'on joue ensemble. Faut que tu me coupes pendant que je m'inquiète. Donne, tu m'inquiètes. Ok, il y avait un autre mec du père. Moi je rush ici, Mili, tu devrais venir parce qu'il y a des mecs qui sont low. Tiens, Doig. Je suis avec toi, c'est juste. Attends, il y a full mec, il y a gratos. Station service là. Il y en a un qui a pris 2.31, il y a une. Station service, c'est gratos. Go station service. Ah, y'a encore un mec là-dedans. Faut que tu viennes, hein. Je suis là. Oh, je me suis fait pourriner. Ouais, bus, derrière le. Y'a le coffre en dessous. Y'a un mec à terre, il veut le ranimer. Vas-y, prends-la. Voilà. T'es sûr? Ouais. Je suis en contact avec toi. Keblo. Mec, moi. Je suis done. J'arrive. Faut qu'on aille récupérer. Attends, y'a des mecs là, je crois. Il va me finir. Ou ça. Nice. J'ai entendu. Ferme, ou alors ferme. C'est. Non, viens. Nice. Ok, vas-y. Je crois pas. Hein. J'ai pas construit. Ouais, derrière, t'as raison. Tu vois, j'avais raison. Pourtant. Désolé, bro. C'est pas. Pour prendre la hauteur. T'es sûr, tu veux pas essayer d'aller les voir pour. Ah, mais y'a un knock là. Ok, encore un. Oh, y'a un trap. Ouais. On est pas si mal. Hein. Les gars, il a un snipe. Ouais, merde. On est pas si mal. Beau spawn. Il m'a touché. Il a pris 2 fois moins 30. Il m'a touché. Viens, on le rush à 2. Je suis là. Ah, il l'a tué. Qui l'a tué? Un mec. Merde. Knock. Oh, ce que vient de mettre Maïli là. Attention, on est à 7, elles sont à 4. Mais elles sont toutes les deux en vie, on est tous les deux morts. On les laisse se concentrer, tout est encore possible dans cette game. C'est une fois 3. Carré, Yuna, il y avait. C'est où Carré? C'est ça? C'est ça, ouais, c'est ça. Il y avait quoi? On monte en haut, tu vois. Il y a un piège. T'inquiète, c'est Maïli à côté, les bruits que t'entends. Non, c'est pas Maïli. Il y a un mec à. Je te jure, il est en train de me mentir. Il y a un mec en haut. Je m'en vais. Il y a quelqu'un sur moi, je crois. Ouais, sur moi là. Oh là 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 là. Ah, il y avait quelqu'un? Ouais. C'est quoi ces fausses infos? Sur moi, je t'attends. Mais t'es où en fait? Ah, t'es là-bas. Je suis tout en haut. Je suis perdu. Il est sur le toit. Moi je suis en bas. Yuna elle est en haut. Non, je suis en bas. Là, n'écoute pas. Là elle monte en haut. Là je monte, ouais. Là redescend. Non, là je monte. T'es chiant. Putain, mais ça construit au-dessus de moi. Elle arrive, t'aider. Elle lui tire dessus. J'arrive. C'est elle qui arrive derrière toi, t'inquiète. Non, c'est pas moi, y'a quelqu'un. Il est trop chiant. En dessous, je crois. Attends, tu sais quoi, bouge pas. Il est pas en haut, c'est sûr. Monte pour vérifier, ma Yuna. Non, ça va pas quoi. Yuna, saute, oui. Et mets ton planeur. Oh, attention la tourelle. Attends. C'est aucune de vous deux. Je sais pas, non. Suis-moi. Oh, quoi? Tout ça pour ça? Mais non. Oh, c'est grave. On va où du coup? Je te suis, hein. Faut qu'on fasse 2 kills là? Égalité. Non, okay. Faut juste faire 1 kill. Je dois croire qui là? On sait plus qui croit. Ouais. Non, un kill, a raison. Si on prend les vraies règles, 1 kill. T'as hein, des. Ouais. Et encore, en vrai, vous avez déjà gagné. Hein. Oh, bah, ça va. Si on compte bien, vous avez déjà gagné. Ouais. Maïli elle est pas dupe depuis tout à l'heure, regarde les scores. Moi aussi là j'ai regardé. C'est que elle regarde les scores mais elle voit pas qu'il y a un problème. Ouais, effectivement. Mais non, mais. Moi, je suis là, je compte, je me dis mais c'est bizarre ça. Je comprends pas. Elle ose pas se dire.
Je me dis, ça se trouve, les règles, elles ont changé. Je veux pas être la chiante. Ouais, je dis rien. Ici, ici, y a un mec. Ici, ça veut dire quoi, ici, ici. Là, là, sur ici, toi, ici, sur ici, toi. Ouais, ouais, là, là, là. Arrête, c'est chiant. Voilà. Heureusement, Maïli, efficace sur le shoot. Hop, prends tout, ouais. Et c'est gagné pour les filles. Oh, y'a encore là. C'est des cadeaux, ça, c'est incroyable. Oh, il sait même pas construire, le mec. L'IM de merde. Même moi, je suis meilleur. Pourquoi y'a ces mecs là, c'est là incroyable. Maintenant c'est les meilleurs, ouais. Vous allez faire top 1, vous êtes des monstres en fait, j'ai rien dit. Viens, on prend des ballons, non, on va prendre l'info. Ouais, ouais. On va prendre le colis, Nina. Elle nous fait une gotha, là. Tu veux pas prendre le colis? Si, si, vas-y, vas-y, prends-le. Là. Hop là, la petite répulsive. C'est oh, bon, trop mignonne, elle change ses armes avec la roulette. Je l'ai vu. Mais laisse-moi. Oh, trop choupi. L'égalité encore, totale. Encore, encore. Ouais, ouais, ouais. Ton moment, ton moment. Oh, le bombi qui vient de tomber, Meili. Yuna qui est en train de choquer ses balles, mais quand même ça passe. Ah non. Attends, je le finis. Reste-moi. Yuna qui permet au moins à ton équipe de prendre l'avantage. Vas-y. Vas-y, je te donne l'info. Lâche pas. Il te voit pas. Oh, c'est... oh ça marche. Il ment. Il trash. Je lâche. Non. Mais arrête, non, attends. C'est good. C'est incroyable, le call de Meili qui a réussi. Yuna contact. Il est où? En dessous, il est mort. Non, mais Meili qui retombe au sol. Yuna qui a repris une balle. Elle est actuellement à 3 HP. Reste. Il est là, il est contact. Il contact. Je fais quoi? Tue-le. Décale, tu tires, tu redécales, tu tires. Ok. Bon. C'était à peu près ça. Ouais. Bizarrement, dès qu'elles sont passées à un point de plus. T'as, j'ai pris une balle. Elles sont devenues nazes. Ouais. Ouais. C'est toujours comme ça, putain. En plus, sur une fois 3, hein. Ça fait 16 fois 3 là. Ah là là, moi j'ai déjà invité en plus à la game précédente. Hein, donc... Alors, qui paye? C'est vrai ça, qui paye? J'avais 5 kills moi perso. Ah, c'est vrai? Je vais la prendre celle-là. 16 x 3 animation, à qui je vais donner mon argent? Même pas un sub en plus. Iris Yas, on relance une game, ça va être la dernière, je pense. Et c'est quoi le format là? Et quel format on fait? Parce que là on a tout fait, là tous les duos possibles on les a fait. Soit on se fait un 3v1, est-ce que quelqu'un se sent capable? Non, on joue tous ensemble. Oh. C'était mignon. Comme ça personne perd. Mais oui. Elle renvoie les votes et. On n'est pas là pour. Mais non. Votez sur le chat, hein. Excusez-nous, elle va maîtriser ses paroles à partir de maintenant. On est désolé, on s'excuse pour tout ça. Sinon, toi et Yuna, vous pouvez spawn ensemble et nous, on est obligé de faire une vidéo. Ça me paraît équilibré. Oui, on fait ça. Comme ça, Yuna a toujours son pouvoir d'amitié. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Voilà. Est-ce que nos scores sont ensemble ou pas? Bah, c'est vrai qu'on n'a pas fait de format 1v2v1. Ou alors? C'est qui kippé si vous perdez? Ah, c'est chaud. Bah, ça va être Yuna, t'as 0 ce soir, c'est ça? Oui, mais c'est pas. On va tous participer. Ouais. Non, mais toi, c'est pas cool à pas inviter toi. Ça va, comment ça, va. Je suis pas cool là. Je t'ai invité toi déjà, j'étais assez galant. Oui, mais ça c'est. 48 euros tu m'as coûté. Hein. La prochaine fois, mange moins. Alors on peut spawn ensemble, vu que maintenant le format est 1v2v1, mais c'est comme vous voulez. À Salty, tu vois, si vous voulez. Vas-y, go Salty. Ouais. Ça veut dire qu'il est la tilted, hein. Il croit que je le connais pas. Regardez. Regardez, il sait que les stream hackers sont sur nous. Ah oui, bah, moi, je me suis fait. Bah, de Citivo. T'es sûr? Oh la peau. On change. Bon. Tu veux pas que. On fait quoi? Bah, on a plus le choix. Bon, c'est du Dusty Div là. Mais c'est du Dusty Div très animé. Hein. En tout cas, Gotak commence déjà à faire les premiers kills hein, dans cette game, bien évidemment. Le petit 72, hein, tranquillou. Histoire de maintenir la pression. Garde une position quand même assez sécure. Pas de risque inutile. Il sait, il peut compter que sur lui-même. Et ça peut être des squads bien complètes en face. 4 pour le moment. Il est en train de nettoyer le shield de son adversaire. Mais non, mais crève! Ça tombe! Oh putain, c'est incroyable! Après, il a quand même un kill de plus que nous. On va rattraper. Gota, tu me files une petite bouteille d'eau derrière vu que t'as rien à faire? Oui, bien sûr. Merci. Quelqu'un d'autre veut quelque chose? Hop là. Allez, merci beaucoup. Oh, bien rattrapé. Merci à Volvic, Sponsor, Vitality, fait toujours plaisir. Et d'ailleurs, bon, on peut en parler rapidement, Gota. J'imagine que quand même, t'es bien au courant, hein, sachant que t'es quand même très présent dans la team Vitality. Levée de fonds qui a été annoncée là. 20 millions qui ont été injectés. Donc, c'est, tu sais à peu près, c'est pour quel genre de projet? Donc, à mon avis, un peu pour du League of Legends. Avec, Bah ouais, surtout la franchise. Ouais. La franchise League of Legends. Et forcément, tu penses qu'il y aura du budget pour d'autres types de projets, peut-être même pour vous. Mais après, justement... Mais what? Mais attends, mais pourquoi les gens se donnent comme ça? C'est incroyable! Non mais je disais justement, bah, courant semaine prochaine, enfin cette semaine normalement, on va faire un petit live avec Néo pour parler de tout ça. Pour expliquer pas mal de choses comme ça, les gens pourront lui poser des questions qu'ils veulent, donc ça va être sympa. C'est terminé pour moi. C'est des gens pas très gentils, Douag, là, vraiment. Ah bah là... Oh, attends, c'est incroyable ce que je viens de faire. Ils sont tous les deux une balle hein. T'as 3 kills gratos hein, Yuna, c'était bah une oui, monstre. Non, mais... t'as 3 kills non, vraiment. C'est une vraie histoire. Gratuit. Ah gratuit genre vraiment. Là lui là à ta gauche là, celui qui fait du bruit. Lui par contre c'est le seul chiant. Ouais lui c'était le seul chiant.
Derrière toi, non. Ouais. Ah, voilà, eux deux ils étaient très low. Ah, mais du coup on a validé 0 kill. On est des grosses merdes. Attends, mais ça veut dire qu'on va payer? Non, Maïli va faire top 1. Maïli, t'as pas besoin de ces kills, Maïli. Oh là là, regardez, attention, 3-0. T'es pas obligé, Maïli, y'a pas de problème. Tu sais ce que tu fais, on a tous confiance en toi. Voilà. Hop, voilà, 3-0. C'est toi qui l'invite, c'est trop mignon. Hein? Oh, t'es galant quand même. Chacun paye ce qu'il a pris. Ah, j'ai oublié ma carte bleue, moi, les gars. Je suis à sec là. J'aurais dû jouer aujourd'hui au jeu à Pokémon. Oh, trop forte, Maïli. Oh là là, ce petit 3-0 no scope. Derrière toi. Ah. Il t'aide. Mais oh, évite ça, Maïli. Hein. Là, c'est avec notre argent que t'es en train de jouer. Ouais, là, c'est. Ouais, on va se calmer. 1-3-0 de validé déjà. Mais en tout cas, les mécaniques sont très présentes. Et ça, ça fait plaisir avant le Royal Rumble de voir que la Maïli, elle est très tôt. Au moment où je dis ça, quelques dégâts de chute. Attention, hein, le contact. Ça reste. Non. Oh la roquette, ça fait pas plaisir. Allez, Maïli. N'hésite pas à aller finir ton 3-0 par terre, hein, si jamais. C'est pas la priorité, c'est pas la priorité. Non, non, c'est vrai, c'est pas. Maïli qui tombe face à l'homme sans âme à la roquette. Mais lui, il a tué tout le monde, lui. Oh, la petite danse. Ça reste 9 x 3. 9 x 3, Doc. Oh, ça va, c'est ok. Alors, on s'est pas mis d'accord avec Yuna. Comment on fait? Si tu veux, je paye. Ça négocie là-bas. Non. Si on fait random, moi ça me va, ça te va random. D'accord. C'est vrai, on aurait dû faire pareil toi et moi, Gotin. Bien joué, 48€. Mais je t'ai proposé de payer, tu vois, je suis gentil. Ah, ça va être mal vu quoi. La galanterie, ouais. Au pire... en fait là, tu vois, il fait ce random.org. Comme ça, les gens pourront pas lui dire, oh, t'as pas été galant. Au pire, vu que tu veux payer. Non, mais bon, tu le fais maintenant. Tu choisis le 1 ou tu choisis le 2, fais ton choix. Le 2. Tu es le 2. Oui. Tu es le 1. Oh mince! Non! Est-ce qu'on en fait une dernière comme ça ou pas? On peut. Mais ça veut dire que je paye pas? Il ou est pas 22h, il est 57. Oui, tu peux... Oh non! Oh là, essayé! Tire-moi ça au sort! En tout cas, ça fait 27€ effectivement pour Yuna, ça va! Ça va! Chacun choisit sa ville, pingé, comme ça on sait. Moi, je Et si on reste un pote, y'a un truc ou pas? Non, y'a rien. Si ça compte, je pense l'arrière. Ouais, vas-y, l'arrière. Parce qu'on est pas ensemble en vrai. Vas-y. C'est vrai. On rentre dans la game, chacun sa ville. Je fais de la merde là. No kill coûte double avec Yuna. Du coup, ça reprend en popularité. Là, ça va très hard dans le chat. Ah ouais. Vous le savez, on est tous dans une ville différente, donc il n'y aura pas de teamplay potentiel. On peut pas. Donc, c'est chacun va jouer sa vie. Arrêtez de briser toi, là, je vais gagner. Mais, je me suis pris une balle de snipe d'un autre endroit, c'est incroyable. Non. Mais non, je suis au bout de ma vie. Oh non, il avait un pont. Non, je me prends la strat du mec au Deagle. On va aller sur la vue de Doag. Je sens que c'est marrant. Oh, le niveau de joueur professionnel. Mais quel homme. Oula. Doag, j'ai peur quand tu fais ça. J'ai vraiment très peur quand tu fais ça. J'ai pas construit. Non. Doag, faut que tu sortes, casse derrière. Vas-y. Bonjour, monsieur. Tire dessus, Doag. Mais non. Non. Mais non, il a un HP. Bon, j'ai quand même fait 2 kills. Oh, j'adore ce mode. Il reste Yuna qui a fait un spawn plutôt tranquille. Oui, il y avait personne. Et un Gota quand même à 4 kills. Gota lui aussi, ça a été animé. Moi, je me balade, hein. Ouais, c'est pas fini pour Comedy, hein. Ça dépend de ce que va faire Yuna. Elle a encore un espoir. Et ensuite Gotaga, hein, qui va rentrer directement dans un fight. Ouais, ça joue Deagle, hein. C'est très fort ce strat. Oh, c'est ton trap, putain. Faut savoir. Il faut le savoir. En tout cas, ouais, le Deagle, hein, la strat toujours. Peut-être qu'il a que ça comme arme, mais je n'y crois pas. Hein. C'est juste un joueur qui sait. Ah, quoique il avait pas de shield en tout cas et ça fait les affaires de Gota qui fait gonfler la cagnotte. Je suis forte, hein. Pas sur Yuna, maintenant Kodaga a validé son kill, Yuna est en difficulté. Ah, Yuna. Ah ouais, non c'est mort, c'est bon. Qui me tue, hein. Au moins là c'est bon, là, j'abandonne. J'ai vu dans son regard qu'elle avait accepté son destin. Oui, là c'est bon, à ce moment-là tu sais que t'es mort, ça sert à rien de forcer. Hein. Yuna qui tombe, ça fera égalité entre les deux filles. Du coup, ça se décide comment? Je pense reproposer un petit random.org. What? Désolé, je m'attendais pas à me faire des pop comme ça. Je suis passé de 0 à 200 HP en une seconde. Le temps de l'animation de la répulsive. Waouh. Bah ça danse et tout. Oui, voilà. Ah, la t'inquiète. Eh ben écoutez, je là... Je prends le numéro 2, hein.
Comme ça, c'est réglé, on n'en parle plus. Ça va pas retomber dessus, c'est sûr. Ah, ce que j'ai dit aussi, mais j'ai dû payer 1300 balles. Yuna est le numéro 2, Maybe le numéro 1. 27 euros. Ça ferait mal que ça retombe sur Yuna. Non, non, t'inquiète. Oh non. Désolé. Après, toi, t'as pas rentré sur Bordeaux, t'es bien. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Ah, le malaise. Après, elle a parlé, c'est exactement ce qui t'est arrivé. Je crois que ce site n'aime pas, je crois que ce site nous entend. Et c'est Nero qui va profiter des petits euros des abonnés de Yuna. En tout cas, bah, mesdemoiselles, c'était un super master kill qu'on vient de vivre. Comment vous l'avez trouvé ce master kill, honnêtement? L'ambiance était vraiment cool. Hein. Direct, c'était super fun. Ouais, il y avait une bonne ambiance. Ouais, il y avait une bonne ambiance. En termes de perf, on a gagné la première game. Après, j'avoue, c'était un peu. On n'a pas fait mass kill. Hein. J'avoue que c'était pas un master kill avec énormément de kills. Mais c'était drôle quand même, ouais. C'était je pense que l'ambiance était genre au top. Celui qui s'en sort le moins bien, c'est plutôt celle, c'est bien évidemment Yuna. Bah super. Avec 54 euros et c'est les deux fois Random Power qui t'a puni. Bailey, 19 euros quand même. Gota, 14 et moi 48. Je suis pas loin. Ah oui. Moi aussi j'ai pris la grosse game. Fin de ce Master Kill.